Tout au long de mon mandat, j'ai travaillé à créer un environnement propice à la réalisation et au maintien des saines habitudes de vie pour les familles et pour les citoyens de la circonscription de Saint-Jean. Une des réalisations dont je suis le plus fier, c'est ici, le Centre des loisirs et le Centre communautaire de Saint-Blaise-sur-Richelieu, un investissement majeur du gouvernement du Québec que j'ai travaillé avec le Conseil de ville et la population de Saint-Blaise. C'est un lieu qui, en plus de développer les saines habitudes de vie, permet de créer un esprit communautaire dans la circonscription et dans la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Cet édifice, construit de bois du Québec venant de Chibougamau, est une fierté pour les gens de Saint-Blaise et pour la circonscription. Une autre réalisation dont je suis fier est le nouveau stade de soccer-football, le stade Alphonse Desjardins, au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce stade permet aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer leur sport et l'activité physique, mais en plus, permet à Saint-Jean-sur-Richelieu de se positionner pour recevoir des compétitions sportives régionales et nationales. Inciter les gens à pratiquer des sports et avoir de saines habitudes de vie permet d'agir sur la prévention, mais aussi à réduire les coûts de système de santé au Québec. Un gouvernement du Parti québécois s'engage à adopter une politique nationale du sport et à augmenter l'éducation physique à tous les niveaux scolaires. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je crois et c'est ce que je vais faire. Au fond, une population en santé, c'est une économie en santé. Faire le choix du Parti québécois, c'est faire le choix de la santé. Au fond, une population en santé, c'est une économie en santé. C'est juste ça que je dis. Je vais le recommencer. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux travailler. Non. Ça a un impact sur la prévention, mais aussi sur les coûts de santé pour le système de santé. Non, on recommence. Un stade qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer.